Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière activité artistique où vous allez faire des vagues. On va réinvestir le graphisme des vagues dans une œuvre artistique. Donc pour cela, il va vous falloir de la peinture. Donc moi j'ai pris du bleu foncé, du bleu clair et du blanc pour pouvoir faire des nuances de bleu. Il vous faut une feuille de canson un petit peu épaisse. Bien sûr, des pinceaux et des boîtes pour mettre la peinture. Et puis, vous aurez aussi des petits poissons à faire dans du papier de couleur ou à colorier. Vous avez des gabarits et une feuille de poisson à colorier sur le blog. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par les vagues. Vous vous rappelez comment on fait? Je pars du bord, je monte en arrondi, je redescends, je fais un arrondi en bas et je remonte. On refait de la peinture si on n'a plus assez sur le pinceau. Et on fait toute la ligne, voilà, de vagues avec le bleu foncé. On met un petit peu d'eau hein, pour pouvoir étirer la peinture. Voilà. Ensuite, on va faire pareil. On va prendre une autre nuance de bleu. Avec mon pinceau plat, peut-être. Et on va refaire au-dessous une deuxième ligne. Ah, ça s'étale moins bien celui-là. Une deuxième ligne de vagues. Je monte, je descends, je monte, je descends en étant toujours bien arrondi. Bien mouiller le pinceau, sinon la peinture elle ne s'étire pas. On retourne le pinceau. Voilà. On va faire maintenant encore plus clair. Et on fait bien. Voilà. La forme des vagues, comme on a appris à le faire sur les fiches de graphisme. Et on va faire ainsi toute la page. S'applique bien, moi je vous le fais rapidement, voilà, mais vous ferez du beau travail, encore plus joli que celui de maîtresse. Voilà, et puis on va laisser sécher et après on mettra les petits poissons. Alors, pendant que les vagues sont en train de sécher, hein, on peut préparer des petits poissons. Donc, moi, j'ai fait des poissons sur la feuille de coloriage, j'en ai pris, j'ai colorié. Et il y en a d'autres que j'ai fait dans du papier de couleur. Donc, il vous faut un tube de colle et on va ainsi coller nos petits poissons dans la mer. Voilà, on met un petit peu de colle. Et on va en mettre un peu partout. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, vous pouvez en faire davantage. Et vous allez les répartir sur l'ensemble des vagues. Voilà, des petits poissons dans la mer de toutes les couleurs. À vous de faire la taille, la forme, les couleurs que vous souhaitez pour vos petits poissons. Et vous pouvez ainsi, voilà, les coller. Et vous aurez une jolie œuvre artistique sur le thème de la mer avec en réinvestissement le signe graphique des vagues. Donc je vous souhaite une belle activité. Amusez-vous bien, prenez bien du plaisir à faire ce travail. Appliquez-vous pour faire les vagues. Et vous pouvez nous envoyer vos réalisations sur Remind, Instagram
ou WhatsApp sur les groupes de vos maîtresses. Bonne journée, au revoir les moyens.